avons eu ce matin la visite du Premier ministre et du ministre de l'Agriculture. L'INRA Versailles nous fera part de ses recherches portant sur l'odorat des insectes. Puis nous croiserons les responsables de deux conférences, tout d'abord sur l'extension de l'agriculture biologique et ses enjeux, et enfin la traçabilité, la transparence et la communication sur la sécurité sanitaire. Donc ce matin, nous avons eu le plaisir d'accueillir le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture, donc qui sont venus sur le stand de l'INRA, qui ont discuté tout d'abord avec la direction générale sur les enjeux portés par l'INRA, sur la fusion INRA-IRCTA, mais qui ont visité également le stand, qui sont arrêtés sur plusieurs ateliers, qui ont échangé avec les chercheurs. Un atelier qui les a particulièrement retenus et intéressés, c'est l'atelier qui explique comment les plantes se voient entre elles, comment elles se repèrent, comment elles déterminent qu'elles ont des consoeurs à proximité ou des concurrentes les unes par rapport aux autres. Donc je vais vous présenter la course à la mouche, enfin surtout aux larves. Donc en gros, c'est tester l'attraction des larves de drosophiles face à des odeurs de fruits. Donc soit l'odeur de banane pure, ou alors directement un morceau de banane bien mûr. Mais là, ça y est, ça commence à... Voilà, et là aussi, elle commence. Et en fait, on observe le déplacement des larves de mouche directement vers les sources odorantes et non pas réparties au hasard dans la boîte. C'est pour montrer que même des larves se repèrent aux odeurs. Voilà, et c'est assez répandu chez les insectes. On vient de Lille pour visiter sur la journée le salon de l'agriculture. Ce qui nous a fait s'arrêter sur le salon, c'était les petits ateliers qu'on repérait les filles sur les odeurs, sur les expériences avec les drosophiles et les petits insectes. Ça me rappelle ce qu'on faisait au collège et au lycée avec les expériences en sciences physiques, en sciences naturelles. Donc l'idée de cette animation, c'est d'associer les odeurs qui sont ici dans les flacons aux images ici. Donc chaque flacon correspond à une odeur. Alors ce qu'on a mis dedans, c'est la phéromone du papillon. C'est normal que vous sentiez rien parce que vous n'avez pas l'équipement olfactif nécessaire pour la sentir. Donc lui, le papillon mâle, il va être attiré par cette odeur-là, mais nous, on ne peut pas la sentir. Alors ce matin, l'intervention et la rencontre qu'on a organisée étaient autour de l'agriculture biologique. On a abordé les grands enjeux de ce développement, qu'ils soient agronomiques, économiques, environnementaux, sociétaux, du déploiement de l'agriculture biologique. La grande question, c'est est-ce que le consommateur acceptera de continuer de payer pour une agriculture qui sera moins productive et donc avec des coûts supérieurs ? La conférence de cet après-midi portait sur la sécurité sanitaire et l'objectif était de montrer en quoi la recherche peut aider à l'appui aux politiques publiques. Donc en conclusion, on peut dire que ce partenariat entre les instituts de recherche et les pouvoirs publics est primordial dans le cas particulier de la surveillance des maladies, que ce soit des maladies animales ou végétales, permettent d'avoir un dispositif le meilleur possible donc pour faire cette surveillance.